Bonsoir à tous. Après une certaine absence, on va rejouer à Red Rising, un de mes jeux préférés. Donc, je vous avais fait plein d'autres jeux entre-temps, mais c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, donc on va rejouer ensemble. Qu'est-ce que je vais prendre? Le 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que je ressens? Celle-là. Ok, bon, c'est pas terrible. Et l'adversaire, ça sera celle-là. Bloc. Ok, très bien. J'aime pas trop jouer. C'est quoi, c'est Apollon ou Cérès? Cérès. Ok. Alors, les bleus. Et les doigts. Là. Je sors déjà ça. Pardon. C'est ça. Alors. Je crois qu'il est duré. Oh, excusez-moi, je baille. Alors. Ouais, là il est duré. Donc, 1, 2, 1. 1, 2. 3, 4, 5. 6, 7. 8, 9, 10. Et mon petit vaisseau doré. Ensuite, on va chercher les bleus. Peut-être les mettre à côté. Vous les voyez quand même, ouais. Le petit vaisseau qu'on voit presque pas ici. Voilà. Moi aussi, je pense que je vais les mettre à côté. Alors. Donc, pour rappel, mon pouvoir à moi, c'est quand j'ai le jeton souverain, je peux défausser une carte d'un espace. C'est pas hyper intéressant comme pouvoir, mais c'est pas grave. Tac tac tac. Pour l'instant, on va les mettre ici. Et on va pouvoir commencer. Victra. Développeur, je crois. Ah, Quicksilver. Ça c'est quoi? Je sais pas, c'est en jaune, je n'arrive pas à lire. Ah, Harmonie. Ah bah alors, Harmonie, il faut qu'on aille la chercher, hein. Un petit orange, ok. Holiday, ouais. Et un petit argent. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le spécialiste de données, je crois. On a Arius, Arius, le fameux Arius. On a Lorne, ok. On a la Snow Sparrow, la mère de Ragnar. Et on a les Hurleurs. Alors, c'est pas fou pour l'instant, je vous avoue. Je suis pas convaincue par ce qu'on a là et je suis pas convaincue par ce qu'on a là. Donc, on va lire un petit peu qu'est-ce qu'on a comme pouvoir. Alors, toi, tu fais quoi? Si déployé sur Jupiter, retournez les deux premières cartes de la pioche et placez-les sous cette carte de l'ordre de votre choix. Ouais. Chaque joueur voisin révèle une carte aléatoire de sa main. Si un or est révélé, bannissez-le. Si un rouge est révélé, bannissez Arius. D'accord? Si la carte directement sous cette carte est un or, bannissez-la. Ouais, c'est vrai. Bannissez la carte la plus haute, autre que.
notre lieu. Ah oui, d'accord. C'est la carte banni les ni gris ni obsidien, gagner un hélium. Ouais, je pense que je vais faire ça. Hein. Et les hurleurs, ça me protège. Ok, ça n'a pas grand chose les hurleurs. Ok, bah écoutez, on va faire ça. Je vais mettre ça ici. Donc, bannissez la carte la plus haute, autre que or, d'un autre lieu. Si la carte bannie n'est ni grise ni obsidien, gagnez un hélium. Je bannis ça. Donc ça c'est banni. C'est pas l'adversaire. Donc je gagne un hélium. Hop. Et ensuite, bah, je vais récupérer Harmonie. Je vais récupérer Harmonie. Du coup, je récupère le jeton souverain. Et en récupérant le jeton souverain, donc... Ah, je commence une carte de plus. Alors attendez, je vais me la prendre. Avec une carte de plus en main. Chaque fois que vous gagnez le jeton souverain, même si vous l'avez déjà, bannissez une carte sur le lieu de votre choix. À la fin de la partie, bannissez une carte de votre main. Ouais, ok. Donc, qui je bannis? Je vais bannir. Il faisait quoi le développeur informatique là? Je sais pas. Une carte de ce lieu. Ouais. Et toi, tu faisais quoi? Ouais. On va bannir ça. Et je révèle ma dernière carte. Ah bah, c'était Octavia. Pas mal d'or là, donc ok, fin de mon tour. Ah, j'ai pas regardé s'il y avait plus de paires ou d'impaires. Tant pis, j'ai pas regardé, tant pis. Donc c'est à l'adversaire. Il met une carte en A et récupère cette carte. Donc juste il récupère sa carte et il bannit une carte. Oh, je l'aimais bien celle-là. Mince. Tant pis. Ensuite, il met une carte en B. Il récupère une carte en B. Et il fait rien d'autre. Ok. C'est à moi. Je pense que Victra et les hurleurs vont bien ensemble. Harmonie, je la mets pas tout de suite parce que. Il a pas d'hélium. On va enlever Arius, je pense. On va enlever Arius, qu'on va mettre... On va mettre Arius ici. Il se passe rien de spécial parce que... l'autre en face n'a pas de carte rouge ni de carte... Ah si, il a une carte or. Alors chaque joueur révèle une carte aléatoire de sa main. Si on n'a rien révélé, bannissez-la. Ah ouais, c'est très bien, Arius. Une chance sur deux. Je révèle celle-là. Yes, il est banni. Ok, merci Arius. Merci. Et donc moi, je vais récupérer Victra. Donc je vais avancer de 1 sur la piste de flotte. Voilà. J'ai beaucoup d'or. Ça plaît même pas du tout à Harmonie, mais c'est pas grave. L'adversaire... Donc il met une carte en A. Ok. Récupère la carte de Mars. Ok. C'est dommage, j'aimais bien la carte. Une carte sur Luna. Récupère la carte en A. Et fait l'action en A. Donc il avance aussi de 1 ici. Ok. Vous pouvez payer 3 hélium pour récupérer n'importe quelle carte. Ouais, bon là, peu importe. Alors, je vais mettre ça ici. Donc, je vais piocher 2 cartes si je ne me trompe pas. C'est déployé sur Jupiter. Ah, sur Jupiter. Oui, c'est Jupiter. Sur Jupiter, retournez les 2 premières cartes de la pioche et placez-les dans l'ordre de votre choix. Sous cette carte. Ok, Mickey, très bien.
et la juge. Bah, on va mettre comme ça. Hop. J'aimerais bien essayer de récupérer de la juge en fait. Ok. Et après, je vais récupérer. Je voudrais bien prendre Harmonie après. Donc je vais prendre ça. Juste pour mettre un sur l'institut. Je répète, à chaque fois que je joue, je mets pas le troisième joueur. Parce que je sais qu'il y a un troisième joueur qui s'y met avec 3 à l'institut. Mais souvent, avec l'adversaire, on fait plus de 3 sur l'institut. Donc, je ne mets pas le troisième joueur. Mais c'est pas parce que je ne sais pas, c'est juste que je le rajoute pas. Voilà. Donc, à l'adversaire. Carte en B. B là-bas. Oh, oh toi, je veux te récupérer, toi. Parfait. Tac. Et fait l'effet, donc il avance de 1 ici. Carte sur Mars. Ah, c'est bien ça aussi. Récupère la carte en D. Ah non, c'est Arius. Bon bah, au revoir Arius. Et il avance encore de 1. Donc je vais aller rechercher toi là. Je vais te chercher toi. Très clairement. Ouais, mais le problème avec toi, c'est que j'ai que des ors. Et que ça m'arrange pas trop. C'est pas grave. On réfléchira plus tard. Je vais mettre ça ici. Non, parce que je vais récupérer la juge. Toi, tu sers à rien, tu te mets là. C'est quoi déjà son pouvoir à lui? Je crois que c'est pas très utile. Photo. Alors, vous pouvez retirer une influence de votre maison, de l'institut, pour gagner 2 éléments. Non. Non. Et on va récupérer ça pour mettre un sur l'institut. Hop. Pour l'instant, on avance petit à petit. Hein. Carte en C. Récupère la carte en T. Okay. Et carte sur Luna. Ragnar. Récupère la carte en B. Et il se met un sur l'institut. C'est à moi. Alors, je me débarrasse de qui? Il a toujours pas d'hélium. Harmonie est obligée de rester avec que des ors. Donc, toi, tu vas avec toi. Vous trois, vous allez peut-être assez bien ensemble, mais. Non. Octavia, c'est quoi déjà? Je pense qu'il a récupéré plusieurs fois le jeton souverain. Je sais pas que je fasse attention. Si vous avez le jeton souverain, récupérez la carte la plus basse sur Luna. Puis bannissez Octavia. Sauf si cette carte récupérée est en or. Ok. Bon, tu me sers strictement rien. Ouais, Octavia, tu vas dégager en fait. Cette carte directement sous cette carte est en or, bannissez là. Ouais. Bon, on va te mettre là, l'orme. Et on va récupérer un petit bleu. On récupère un alien. Alors, une carte en C. On récupère la carte en B. Et il défausse une carte. Où est Cassius? À chaque partie, on se demande où est Cassius. Carte sur l'institut. Ah, elle est bien celle-là, je récupère une carte en C. Ok. L'effet. Ah, ça y est. Harmonie va pouvoir partir à la guerre. Parce que je voudrais récupérer ça, je pense. Alors, Harmonie. Ouais, mais ça, c'est intéressant aussi, je crois. Hein. Vous pouvez les 2 ors de votre main. Si vous le faites, placez 2 influences. Ah ouais. Ouais, non, on va les récupérer ça. Mais est-ce que je me débarrasse d'Octavia ou d'Harmonie? Allez, Harmonie. Elle vole un hélium. Et nous, on va récupérer un hélium. Troisième hélium pour nous. C'est 3.
trop important. Ok. Alors. Carte en A. Ok. Bah, il récupère cette carte-là. Ok. Et ensuite. Carte en D. Sur Harmonie. Ah, récupère la carte ici. Dommage. Et fait ça. Donc, il récupère un ici. Ah, c'est dommage. Mince. Bon, tant pis. Donc. Vous avez les deux heures de votre main si vous faites ces deux renforts sur le tissu. Où est-ce que je te mets pour pas prendre de risque? Je pense qu'on va me la voler, j'espère. Je te mets là. J'ai deux heures. Donc je peux mettre deux sur l'institut. Je fais quatre, voilà. Et je vais récupérer qui? Alors, le problème c'est que si je prends ça, la juge risque de... Ça risque de faire mal, quoi. Mais sinon, Harmonie risque de partir aussi. Alors, je sais pas. Ouais, je vais plutôt prendre ça. Je prends ça, du coup, je récupère ça. Et je peux bannir une carte. Non. Non, je bannis pas de carte. Je prends pas le risque. Alors, une carte en C. Ah, c'est vrai, faut que je la récupère. Non, il la récupère. Et il prend le diable. Tac. Carte en A. Ok. Et il va avancer de 1 sur la piste. Moi j'avance pas beaucoup moi sur la piste de choc. Oh il a pris ses fous, je suis un peu dégoûtée, j'avoue. Bon bah on va prendre ça. Qu'on va mettre ici. On peut défausser une carte. Je défausse celle-là. Et on prend une nouvelle. Oh punaise. Ok. Alors je prends la juge ou je prends Harmonie? Je prends la juge. Et du coup je vais avancer de 1 sur la flotte parce qu'il faut quand même que j'avance. Ok, bon, c'est pas terrible tout ça. C'est vrai, j'aurais voulu vraiment. Ça me dégoûte un peu. Carte en A. Carte en C. Et il récupère encore un dégât. Oh là là, Harmonie, il faut que tu reviennes là. Il faut que tu reviennes absolument chez moi. Ok, carte en B. Tac. Récupère cette carte là. Et il fait l'action encore. Tac. Ok. Bon. Tu fais quoi toi? T'as l'air un peu naze. Choisis un adversaire. Il a le choix de vous donner deux hélium pour jouer un tour immédiatement. Ou alors, s'il ne le fait pas, il doit vous donner un hélium. L'adversaire, s'il a le choix de vous donner deux hélium pour jouer un tour immédiatement. Non. Pour vous donner un hélium. D'accord, donc il me donne juste un hélium, on va dire, parce qu'il ne peut pas jouer. Ok. Ah oui, parce que du coup, je la joue. Je la joue là. Et je vais reprendre ça. Ouais. Désolée Harmonie, mais... moi, j'ai besoin... J'ai besoin de cette carte. Ok. Donc... Une carte... Ici. Récupère la carte A, donc c'est celle-là. Et il avance encore. Punaise. Ok. Une carte en D. Sur Harmonie, récupère la C. Oh, Quicksilver est disponible là. Ok, c'est à moi. C'est à moi. Ouais, je pense que je vais prendre Quicksilver. J'ai deux ors. Donc je peux mettre deux sur l'instit 2. Ça fait 6. Ça fait 6 et là je suis à 5. Et je vais prendre Quicksilver, je pense. Donc
je prends un million supplémentaire. Je suis à 6 aussi là du coup. Je suis à 6 et 6. Ok. Bon. On va remélanger. Hop. Mais mes cartes sont pas hyper. Là la carte bleue elle est un peu nulle parce que. Parce que j'ai pas avancé sur la piste. Faut que je regarde Victra. Les voleurs, il fallait Sévro, je suis sûre. Ouais, ça fallait Sévro. Et là aussi, il fallait Sévro, de toute façon, je pense. Donc ces deux-là me servent un peu à rien aussi. C'est pas terrible. C'est pas terrible, terrible. Bon. Alors, j'en enlève 4. 1, 2, 3, 4. Hop. C'est parti. Il prend la carte en B. Toc. Et B, il fait l'action. 1 sur 1, c'est très bien. Vas-y. Il met une carte en B. Il récupère sur Luna. Et il fait l'action. Donc il récupère ça. Et il avance. Ok. Bon. Elle fait quoi déjà? Alors, non, c'est lui qui fait quoi? Avancer de deux cases sur la piste de flotte. Puis les autres avancent d'une case sur la piste de flotte. 5 à 7. Ah, jusqu'à 2 quoi. Ouais. Et elle fait quoi, Victra? Récupérer la carte la plus basse de ce lieu. Bannissez Victra sauf si vous l'avez déployé sur un or. Non, je peux pas. Donc, ouais, on va faire ça. On va mettre ici. Donc moi j'avance de 2, 1, 2, et il avance de 1. Et je vais... Ah, il y a Orion là, j'avais pas vu. Ouais, mais là c'est si je suis la meilleure. Non, j'ai pas Pax, tout ça, donc c'est pas la peine. Non, Harmonie, elle va revenir avec moi. Harmonie. Donc, tac. Ça, le problème, c'est que si je veux bannir une carte... Je vais bannir... non. Non, ça, je bannis ça. Ok. Alors, carte ici. D, il y a rien. Donc on peut dire pour ça. Et fait D, donc il avance de 1. Hop là, voilà. Carte en A. Carte. Soluna, il peut pas. Donc il prend ça. Parfait. Et il défausse une carte. Mais où est Cassius? C'est toujours la question, la grande question. Où est Cassius? Où est Cassius? Où est Cassius? Alors attendez, parce que moi je suis à 6 et 6. Hein. Donc quand même, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention. Je vais la bannir. Enfin, je la mets là. Il veut que je la déploie pas sur un or. Sur un or. Je crois qu'elle va dégager. Ah non, la vue elle peut pas sur ce lieu. Ah, je peux récupérer la carte la plus basse de ce lieu. Si vous l'avez déployé sur un or. Ah, attendez. Est-ce qu'il y a du rouge dans la défausse? Non, il n'y a pas du rouge dans la défausse. Okay. Je vais plutôt mettre ça du coup. Ici. Du coup, ça fait rien. Et dans le doute, je vais quand même reprendre ça. Hop. Du coup, ça m'en fait un plus ici. Voilà. Carte en D. Ah. Hop, tu perds ça. Et il fait l'action, donc il met un. Une carte en D. Récupère un C. Ah. Ok. Non. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vitra. Ouais, mais est-ce que je veux son père en fait à elle? J'ai pas envie spécialement d'avoir son père. Ah, ça me fait une carte en plus. Ok.
je la déploie ici. Donc je récupère la dernière carte et je la vire pas puisque j'ai déployé sur un or. Et ensuite, je vais récupérer cette carte-là pour avancer de 1 ici. Hop. Voilà. Ok. Ensuite, carte Luna. Je récupère la carte en A. C'était pas mal cette carte aussi. Il avance encore. Catastrophe. Et une carte ici. Ah ouais. Carte en B. Là. Il se remet encore en sur. Faut que je fasse attention. Je suis à 7, c'est ça. Ouais, 7. Ok. Alors là, logiquement. Logiquement, c'est toi qui vas partir. Logiquement, c'est toi qui vas partir. Il faut que je récupère un de ces deux-là. Donc, je te mets là. Tu vas. Tu voles. Ça. Et on va récupérer une boule de bleu. Donc. Si votre position sur la piste de flotte est entre 6 et 8, 9 et 10. Je suis pas à 6. Oui, mais je serai à 6. Ouais. 5 à 7. Alors attends, là ça ferait 20, 25 et toi tu me rapporterais 25 aussi. Ouais, peu importe en fait. Sauf que là je gagne un élément en plus. Donc je vais faire ça. Et ça fait mon septième hélium. Septième hélium, 7 ici, donc c'est terminé. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner cette histoire? J'ai pas du tout compté mon score et tout. Alors, contre qui on était aujourd'hui? On était contre Lissandre. Elle. Et S. Ah, attendez, il faut que je prenne un truc un peu plus solide. Écrire. Donc, de base, Lissandre, il avait 60 points. Donc, ensuite, pour la flotte, combien on a chacun? Donc, lui, il est au max. Il a 43. Et moi, j'ai 15. Les héliums, moi j'en ai 7, donc ça fait 21. Lui il en a 0. Okay. Le jeton souverain, c'est moi qui l'ai. Moi j'ai 7, et c'est 14. Moi j'ai 28 points là. Oups. Là j'ai 28. J'ai 28. Et lui il avait 5. 5 fois 2, 10. Voilà, on va compter. Alors d'abord lui. Donc lui, on va compter combien il a de chiffres impairs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14. Il y en a 14. Donc. Donc 14 fois 6 plus 18. Il y a 102. Il a 102. Et moi, on va voir ça. J'y crois pas trop. Voilà. Alors, mademoiselle, elle a 20 points de base et 5 pour chaque couleur différente. 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ça va. 50.
75. 95, 85, 85, 90, 100, 115, 125. Ah oui, il faut que je supprime une carte. Je pense que ce sera celle-là. Donc, je sais pas si on la compte. Donc, j'étais 125. 1, 2, 3, 4, 5. 125, 130, 140, 143, 143, 148, 148, 168, 168, 208, 208, celle-là on la retient. Et non, elle m'aurait rapporté combien? 15 plus 15. Ah ouais, 15 et 15, ça fait 30. Du coup, elle me rapporte plus que lui. En 8, donc ça ferait 113. 113. 113. 213. 213. 213. 213, j'espère que je vais compter, hein, mais 213, normalement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai que 6, donc j'ai pas de points négatifs. Donc, moi j'ai quoi? J'ai 213 plus 15 plus 21, 21 plus 10, plus 28, 287. C'est bien? Je pensais pas atteindre ce chiffre-là. 287. Je pense qu'on a battu Lissandre. Donc lui, il a 70 plus 102. 42 plus 43 plus 225. On l'écrase. 225. Bon, bah écoutez. La partie est terminée, on a gagné. 287, c'est plutôt un bon score. Surtout qu'on n'avait pas une maison forcément évidente. Ce pouvoir de pouvoir défausser les cartes, c'est pas ce qui aide le plus à gagner des points. Donc là, on a eu de la chance. On a eu de la chance. Donc je suis plutôt contente. Je pense pas avoir fait beaucoup d'erreurs. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer à Dread Rising, et on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Merci à tous et à bientôt. Bye bye.